On va tester un Jill survie. Cela risque d'être très fun. Je sais pas par contre si je vais le publier parce que. Enfin en rediff sur YouTube parce que. Bah, je risque d'y passer du temps en fait. Mais du coup, donc faut que je fasse continuer. Donc on va prendre la partie de crise que j'avais fait en rediff sur YouTube. Et on va faire survie. Un nouveau costume est disponible. Donc oui, on a débloqué ce costume-là avec un gun illimité. Enfin bref, on s'en bat la race. On va tester Jill survie. Ça risque d'être fun. On va laisser la cinématique d'intro, hein, comme pour l'autre. Situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Haven't found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris. Bravo team's helicopter was a derelict. Was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. J'ai peur, hein. Quiz de poulet. This way. Quiz. Tenter de survivre dans un monde épouvante. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Barry, and myself. And myself. We don't know where Chris is. What is this place? You are game. What a mansion! Extraordinary house, that's for sure. Hey Wesker, where's Chris? A dining room! Jill, no. You don't want to go back out there. What is this? But we've got to- Blood! What was that? Chris? No. Jill, go and Putain, le cul qu'elle a, Jill. I'm going with her. Un truc de ouf. Chris and I go back a long way. All right. You two. It's a whole partner, you know.
Stay sharp. Ça y est, la survie, ouais. Avec Jill en plus, donc j'ai pas... Normalement, c'est plus simple, hein. Préférer faire de la survie avec Jill, elle a 8 pinces d'inventaire. 8 pinces. A draining room. What is this? Blood. Salut, Brad. I think you'd better take a look at this. What is it? La systémate. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. Moi, je, et il manque quand même le cast en début de vidéo. Ah, il y a deux. Vite fait, je marque une pause. Pour moi, il manque. Trois trucs sur ce jeu. Peut-être plus, hein, je vais peut-être en énumérer plus. Il manque les anciennes OST, donc les voix de PS1, genre pouvoir faire un mix en fait entre les voix, la musique, toutes ces conneries. Il manque une version lissée de la PS1. Ça aurait été cool. De pouvoir switcher entre, tu vois, les deux versions. Avoir au moins les deux versions, ça aurait été cool. Et je sais plus ce qui manque. Ce que je voulais dire aussi. Est-ce qu'il y a le mode invisible, le mode survie? Voilà, je m'en rappellerai. Mais ouais, voilà, avoir au moins les voix de PS1, avoir les musiques d'ambiance de la PS1. Ah si, avoir les graphismes, donc lissés de la PS1. Et en option, hein. Et avoir le cast. Le cast, putain! Le cast en début, mais même dans la nouvelle version, ils auraient dû le faire, ce putain de cast. Vite fait, alors, vite fait, pour ceux qui auraient oublié, parce que c'est quand même magique, le cast. Faut que j'arrive à capturer la bonne fenêtre, à mettre pause et tout. Mais merde! Attends, par contre, ta gueule, Resident Evil, 30 secondes. Le cast, quoi! Putain, les gars! C'est... Je sais pas. Non, là, j'ai une capture de fenêtre Google. Voilà. On va l'afficher, mais... Mais putain, les gars, il manque ça! Il manque ça, je suis désolé. Chris Redfield. Je veux ça au début du jeu, moi! Jill Valentine. Ah, les vieux cosplays et tout, quoi! Albert Wesker. Et la voix! Resident Evil. Putain! Tu peux pas faire plus badass que ça, mec! Tu peux pas faire plus badass que ça! Putain! Bon, allez, on remet le son, on retourne sur le jeu, parce que bon. Pas le temps pour ces conneries! Mais bref, voilà, il manque ça. Franchement, il manque ça. Ouais, ils avaient une musique différente. C'est vrai. Un peu merdique, d'ailleurs. Je trouve que ça faisait moins badass. Bon, alors, en survie, on va pas se casser les couilles. Franchement, le pistolet, on peut carrément s'en passer. On va jouer Peupon et Peupon, Grenade et Magnum. Look out, it's a monster! It's a monster! Let me take care of it.
Il me semble dans la version PS1, il lui explose la tête à ce bâtard. I found Kenneth killed by this thing. Let's report this to Wesker. Bon, alors Jill, c'est pareil, ça fait un moment que je l'ai pas fait, mais ça doit être globalement comme Chris, hein. Ah, le mec qui se casse. Ah, le zombie, non, il veut pas discuter, il s'en va. Wesker! Wesker! Jill, help me look for him. Let's not leave this hall. Good idea. Ah, c'est pareil, sur PS1, t'avais une technique, genre, fallait faire un petit aller-retour ici, puis ça passait. Je ne l'ai pas trouvé! Ou peut-être que j'aille à l'étage, non? Dans cette version, apparemment, faut aller à l'étage. Il n'est point ici. Il n'est point ici. Barry. Any luck, Jill? No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris, and now Wesker. There's not much we can do. We can search for him separately. I'll investigate the dining room again. Okay, then. I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. Oh! I almost forgot. It's a lockpick. You'd make better use of it. Donc ça, direct, on prend. Thanks. I may need it. Listen. If something happens, let's meet up in this hall. Got it? Okay. Et du coup, quand t'as à mettre les coups de couteau, est-ce qu'elle a toujours le couteau à l'envers dans celui-là, là? Parce que je m'en souviens pas. Et non, elle le tient droit, putain! C'est quoi ça? Normalement, elle le tient de l'autre sens. Putain, les gars! On va aller direct au peupon. J'essaie de récupérer ce qui est utile en chemin. Autant dire que ça, on s'en bat les couilles. Ah oh, putain! L'emblème de l'épée est gravé sur la serrure. D'accord, oui, c'est pas du tout comme... Bon, ici, il doit y avoir encore la même merde. Ouais, voilà, un vieux couteau. Putain, normalement, c'est le lockpick, ça, là. Cette porte. Merde, je voulais pas qu'il me chope. Oh, wow. Perte de temps. Bon, c'est naze. Du coup, le lockpick, il fonctionne pas ici. Moi, perso, je préfère le cast American, you know. Est-ce qu'on peut aller là? Du coup, c'est débile. Putain, tu peux pas faire le shotgun d'entrée de jeu, quoi. Nique ta race. Ah, mais clairement, quoi. T'es obligé d'aller récupérer la première clé comme avec Chris, quoi. C'est voilà. Alors je sais jamais. Ok, normalement. Ok. Ah ouais, non mais tu dois faire exactement comme Chris en fait. Mais c'est complètement con. Finalement, c'est pas deux histoires différentes, quoi. Il va y avoir, je pense vite fait des petites variantes, mais. Tu peux pas du tout accéder là où tu veux d'entrée de jeu. Genre normalement version PS1 tu te tapes. Tu peux direct aller au shotgun et tout, là apparemment tu peux pas. Barry il va réinspecter le. The dining room. Finalement ben t'es censé aller de l'autre côté mais t'y vas pas. Ok.
Ouais, c'est dommage, hein. C'est franchement dommage. Bah du coup, ouais, je sais pas si j'ai peut-être récupéré des balles de pistolet, de toute façon, dans tous les cas. Quand même prendre une plante, ça se refuse pas. Putain, c'est quand même plaisant d'avoir 8 emplacements d'inventaire, quoi. Oh, du calme, Moray, du calme. Merde, j'aurais pu passer. Ok. Ah, puis je joue pas avec le nouveau système de déplacement. Ah, je joue à l'ancienne. J'aime plus. Alors, c'est pour ça. C'est pour ça qu'à mon avis, je vais éviter de... C'est pour cette histoire de coffre. Je vais essayer, en fait, constamment de garder Magnum, balle de Magnum. Ça, c'est une obligation. Après, je sais pas quel type de grenade je vais garder constamment sur moi. Et je vais vraiment essayer d'esquiver un maximum les ennemis. Tu vois, du coup, je suis en train de me demander si, finalement, je vais prendre ou pas le shotgun, quoi, pour la survie. Le pistolet, c'est sûr, je vais pas m'en servir, je vais le tège, en fait, dès que je peux. Ça, c'est une certitude. Maintenant, le shotgun, je sais pas en fait. Parce que le Magnum est carrément meilleur, y a pas photo. Pareil pour le lance-grenade. Et ça me prendrait une place en plus en fait. Ou à la limite, le coffre du jeu. Il faudrait qu'en fait, ouais, le coffre du jeu, ce soit carrément bah, le plateau entier. C'est-à-dire que si jamais j'ai besoin de faire le plein, bah plutôt que je vienne ici, ou tu vois. Je me déplace jamais avec des munitions, sauf celle de Magnum. Putain, c'est bon, ça. Dans l'inventaire. Genre, est-ce que je récupère ces cartouches, tu vois? Je m'en bats les couilles en fait. Maintenant, quelle porte déjà cette clé? Est-ce que je pourrais pas aller par exemple récupérer le lance-grenade? Par tout hasard. Est-ce que il me faut la clé armure? Est-ce que... Je sais pas. Du coup, c'est pas du tout le même routing que sur PS1. Voilà, c'est la clé armure, ok. Et est-ce que je peux accéder au fusil à pompe? À moins que ce soit aussi la clé armure. On va quand même aller vérifier. Yes! Bah, tu vas crever alors, fais pas le malin avec Mikabi, il va te baiser sinon. Bon, normalement les chiens. Voilà. Ah ouais, mais merde, c'est de quel côté qu'il y a un couteau? Ok, y a rien en fait. Ok.
Là, en toute logique, si c'est comme Chris. Ok, j'ai récupéré tout ce que j'avais à récup. J'ai tué aucun zombie pour le moment. Non, la salle de bain, rien d'intéressant. Est-ce que Barry va me sauver ? Un petit cut, on prend. Un petit shotgun, on prend. Du coup, je sais qu'à l'extérieur, il y a des cartouches. Barry ! Alors, normalement, on est enfermé, hein, je crois. My God, la porte ne s'ouvre pas. Oh God, what did I do now? Wesker, Barry, help! Jill, you in there? Barry, get me out of here. The door's jammed. Stand back. Grab my hand. J'aime bien ces petits temps de chargement à ras le sol. Fais la serpillière. Barry. That was a close one. A second late, you would have fit nicely into a sandwich. Really? Thanks. Like a jazz sandwich. Hey, didn't you say you were going back to the dining room to find other clues? I'm glad and all, but why are you here? I just had something I wanted to check. Anyway, we should get back to searching for Wesker and Chris. Thanks, Barry. I owe you one. Don't mention it. Barry à tout prix. De toute façon, je peux rien récupérer de plus, donc on va aller se délester. Ah ça, ouais, putain, le fusil cassé et tout, là, d'entrée de jeu, tu fais parler la poudre. Non ! Bon, on va s'arranger pour que lui me rende mon couteau. Mais non, mais c'est pas possible, je le fais exprès ! Alors, rends-moi mon couteau. Eh mais je suis un connard moi, j'essaye de viser avec RT quoi. Putain, switcher de jeu là non-stop, ça me fait faire de la merde. Du coup il y a que dalle, ah, c'est complètement vide, donc ça on a pas besoin, ça non, ça non. On va stocker un soin ici. Au moins on est tranquille. Et puis, bah, on va aller en haut là. Ce qui me fait chier, c'est que je vais être... quoique, attends. Je pourrais peut-être du coup me permettre de tirer un peu plus sur les zombies. Donc ouais, c'est bien une armure, ok. Donc ça confirme ce que je devais faire. Je voulais voir si je pouvais récupérer direct le masque, mais on peut pas. Pareil, je pense que bah du coup, comme il faut le...
Ça passe? Ça passe. Non! Putain, mais vous faites chier les zombies, la merde. Allez, relève-toi là. Il me faut mon couteau là. PD. Eh oui, évidemment. Puis elle est trop conne pour retirer le couteau d'un zombie mort, quoi. Putain. Bon. Normalement, ouais, les balles, on s'en branle. Normalement, il y a un briquet aussi. Mais le briquet, alors attends. Le briquet, je m'en branle ou pas? Non, il me le faut pour la partition. Oh, mais je vais crever. Franchement, je vais crever. Allez, je mise encore sur un coup de croc quand même. On va éviter de... Si j'arrive à aller jusqu'au Kleps sans me prendre de coup de croc, ce serait top. Barry. Là, il va me filer des grenades. Genre, what the fuck? Got any good news? Other than I'm still alive in this madhouse? No. Can't say it's much safer here either. We'd better secure our escape route first. There's gotta be a back door somewhere. Alright then, let's split up again. Hey, hold on a sec. Look what I've found. What? A can of fizz. It's sure to yellow and mellow those things. It's yours. And what about you? Use it. I have this. What about you? Oh, don't worry. I like the buddy system we have here. I see. Thanks, I'll take it. See you later. Ciao. Bon, le Kleps. Et hop. Pourquoi elle a une gueule de défoncé? Bon, normalement, je devrais pouvoir arriver au chien et me soigner tranquille. Ça économise un heal. Ah, oh, moi je me dis que de toute façon, les soins sont là pour être utilisés, hein, de toute façon. Bon, par contre, j'espère que j'ai assez de cartouches pour fumer les deux kleps, parce que là, sinon j'ai l'air d'un con. Non, mais vraiment. Regarde, c'est pas beau ça? On va foutre un coup de sifflet, on va se mettre ici, tranquille. On va même se mettre là, c'est quoi? Doggy doggy! Bon chien! Ok. Parfait! Good dog! Le bijou s'est transformé en clé, comme par magie. Où est-ce que je vais maintenant? Oh là là, ouais, calme-toi Maurice, calme-toi. Lui. Je pense que je peux pas aller pour le moment. On va aller récupérer le lance-grenade. Non, il me faut une place d'inventaire. Faut une place d'inventaire pour ça et on va aller faire le plein de cartouches.
parce que je vais devoir ressortir par. Bah, en fait, on s'en bat les couilles par où je peux ressortir. J'aurais pu descendre là. On va aller récupérer quelques cartouches, quoi. J'espère que je vais taper de bonnes esquives, les familles. Dégage! Putain, t'aurais pu tomber, bâtard! Je vois rien! C'est pas grave, il y a toujours les plantes. Bon. Ah, t'es direct en attention, hein. Deux coups de croc, puis un Zewardig. Du coup... Ah, j'aurais pu ouvrir la porte ici, je l'ai pas ouverte, je suis un connard. C'est quoi le mode survie? Bah en fait tu prends tarif et les coffres ils sont plus connectés entre eux en fait. Fais chier. Yippee-ki-yay, pauvre con! Ah oui, mais non, mais recharge le fusil à pompe, connard. Par où je passe du coup? Je me dis que d'huile, je vais en récupérer là, donc on va utiliser. Wouhou! Yeah baby, yeah! Sois pas mad. Est-ce que... Je vais faire un tour ici quand même. Déjà, on va aller à la plante. Ça, c'est sûr et certain, on va y aller. Putain, non, mais alors, ça, c'est de l'abus, quoi. La tête, elle devrait exploser cash, merde. Toi, vomis un coup, voilà, ça te fera du bien. Putain, mais mec, mais je vais me retrouver avec 50 zombies dans la casse-bras. Ok, bon. Et ce qui est cool, c'est que du coup, t'as pas besoin de te faire chier à retourner à des endroits au coffre, quoi. Tu sais. Une pile. Est-ce qu'il y a les cartouches? Ah non, mais alors, mais pas du tout. Ok. Alors, ça, c'était pas prévu au programme, je vais pas vous mentir. Peut-être qu'avec le la pierre bleue, il y a moyen. Bon, on va aller se débarrasser déjà pour commencer. Dans la version PS1, dans l'armoire là, de la pièce de ce couloir que je viens de passer, normalement, il y a des cartouches de peupons.
Là, je sais plus ce qu'il y a. Et si je continue à me référencer à la version PS1, je sens que je vais vite l'avoir dans le cul, en fait. Pompez-le. Oh ouais, vas-y, pompe-la. Et hop, un peu plein de heal. On va en prendre qu'un double. Hein. Et ici, j'ai une petite réserve personnelle de weed. Et on prend le masque. Ensuite, donc je peux aller récupérer le deuxième masque ici. Dans la salle des statues. Et puis, bah, aller les poser. Hein. Parce que eux, je m'en calisse. Bon, allez, je prends le risque. Je prends le risque. S'il n'y a pas de cartouche dans l'armoire, j'ai l'air d'un con. Et j'ai l'air d'un con. Voilà, j'ai niqué une cartouche. Et je vais niquer un coup de taser. Non, c'est bon. J'ai niqué une cartouche pour rien. Yay! Putain, fait chier quoi, merde. On est... J'ai plus beaucoup de place. Allez, essaye de me choper! Mais qu'il est con! Non! Aidez! La partition, elle est ici, elle bougera pas. Le jeu va te baiser. Pourquoi tu es que je meurs ? Tout va bien se passer. Je le sens. Tu le sens pas ? Parce que là, concrètement, si je peux aller récupérer le lance-grenade, le popon, j'en ai plus rien à branler, quoi. Je vais tout de suite aller voir ça parce que je pourrais aller me délester du peupon en fait. Et faire un petit carnage au passage, hein, soit dit en passant. Ça se trouve, il n'y a même pas le grenade, il est même pas là. Ah si, c'est bon, je le vois. I see it. Alors, une des meilleures armes du jeu. Blah! Est-ce que ça vaut le coup? Non, il n'y a que dalle. Donc, demi-tour, on se corse. Là, déjà, je me sens un peu mieux. Donc on va aller faire, j'ai une place, ouais. On va aller faire l'énigme des statues. Je vais essayer d'utiliser la clé un maximum de fois aussi. Voilà. On déverrouille. Normalement il me reste une ou deux portes à déverrouiller, me semble-t-il. Alors, dans quel ordre ça se passe ici déjà? Je sais plus. On va
Ok, donc si je la remets, à mon avis, ça va ressortir. Ok. Oh, le PD. Hold PD. C'est pas possible. Il se fout de ma gueule. Mais ça va ressortir là, je connard. Non. Ah non. Faut que je me traite de connard plus souvent, moi. C'est un beau pixelisé quand même les textures de du décor là. Bon. Ok. Donc ça c'est bon, je vais tester. Faut que j'en profite. Fuck, essaye d'ouvrir la porte. Avec une cartouche. Putain, t'es pas mort! Oh, mais c'est une blague! Alors, attends. Ok. Putain, deux cartouches dans le Zef, quoi. Va niquer ta race, bâtard. Bon. Des balles de pistolet, un spray, nique ta race. Rien d'intéressant. Donc ça on pose, on garde la clé, le soin je vais garder quand même au cas où. Je pourrais aller poser trois masques. Ce serait fait. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un sur le chat qui sait si les ennemis gardent les dégâts encaissé ou si tu sors et que tu reviens dans la salle, sa santé s'est reset. Quelqu'un est au courant ou pas? Parce que ça, j'en sais foutre rien en fait. Il est mort? Non, je suis pas mort. Si tu parles de moi, je suis pas mort. Le mec, il attend qu'une chose là, Nasser. Il veut que je meure en fait, le mec. Alors, je sais plus trop, collier c'est violet, je crois. Ouais, vert, violet, orange. Vert, violet, orange. Donc ça, on est bon. Ça, on est bon. Et je crois que l'autre, c'est de ce côté-là. Bon, on va déjà aller poser. Trois masques. On va devoir galérer. Mais je me doute. Je me doute. Putain, mais... Eux, par contre, ils vont me briser les couilles, mais je le sens, quoi. Moi, je vais me délester. C'est quoi là, c'est pierre trou à la place des yeux.
Là, c'est nez et bouche. Pour finir, alors moi j'ai la bouche, donc ce sera le nez pour le serpent. Voilà. Ah, on a de la place dans l'inventaire. Par contre, voilà, laisse-moi passer, bâtard. Ouais, bah, direction serpent, de toute façon, il me faut la partition. On va essayer de récupérer l'emblème pour le magnum. Je veux surtout pas passer à côté du magnum. Non, là où il y a des chances que je risque franchement de crever, c'est quand tu auras les hunters. Parce que je pense que... Je vais essayer d'optimiser les salles dans lesquelles je vais rentrer. Mais ouais, je suis pas confiant, quoi. Si j'arrive jusqu'au Hunter, je suis refait, par contre. Pour un premier try, en plus Jill, ça fait un... Mais pourquoi je suis rentré là-dedans? Ouais, si, à la limite. Je vais récupérer ça. Je vais récupérer deux trucs, faut que je prenne un troisième truc, faut que je prenne un quatrième truc, donc non. À la limite, j'aurais pu prendre le soin là, mais non, du coup, il me faut 4 places. Là, tout de suite, on va aller récupérer l'emblème. Je vais claquer le soin qu'il y a dans la salle d'à côté. À moins que ce soit un spray. Je sais plus si c'est un spray là-dedans. Et je sais plus s'il y a des cartouches de fusil à pompe. Pas des cartouches. Le mec, il va s'imaginer qu'il y a des cartouches partout, quoi. Ok, bah, parfait. Allez, hop, ça. C'est fait. Donc il y a un spray ici. Non. Normalement, il y a un kit de soins ici. Ok, bah niquer Tars. Demande à F. Mais F, il l'a pas fait en survie. Il connaît un routing à partir des coffres qui sont connectés entre eux. Il connaît pas de routing avec des coffres qui ne sont pas connectés. Là, c'est un routing où je dois prendre un minimum de choses, tu comprends? En soi, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est d'éviter les zombies, en fait. Ouah, c'était très intéressant. Well, I guess we were right about this mansion being quite unnatural. You have a way with understatements. Where's the part that's torn off? Well, my only guess is that it was the most important part, and somebody didn't want anyone to see it. Let's continue our investigation. Ah, il est là, le hameçon. Attends, j'espère vraiment que c'est ce que je pense ici, parce que... Si c'est pas le cas... Yes. Ouais, mais non, il dit que ta mère. Oh la fragile, quoi. Mais non, Victor. Oh, ça arrive, pas de dégâts. Ok, donc on aura le backdub, ça me rassure.
On aurait pu récupérer le backup de Barry. On va lui laisser, on n'est pas des salauds. Qu'est-ce qu'il y a là? Une salle que je peux pas ouvrir. Alors lui, par contre, il me brise les couilles. C'est bien, défonce ton pote. De toute façon, ici, j'y repasserai qu'une fois et je m'arrangerai pour passer de l'autre côté. Pas du côté où il spawn l'enculé. Richard. Oh putain, c'est vrai, lui, je l'avais oublié. You're wounded. This whole place is a killing zone. There are monsters. What did this to you? A big snake. And it had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Thanks. Lui, je vais le sauver. Lui. Je vais le sauver parce que... pour le serpent, il va m'être utile. On va le sauver. Ah, évidemment. Putain, fait chier quoi. Et qu'il soit là, fils de pute. On va crever. Une tarasse là. Lui ramener le sérum après. Je vais récupérer l'emblème en bas. Je sais même pas pourquoi je passe par là, putain. Non mais passe à côté, voilà, merci. Allez, pousse! Nickel. Optimisation! Dans les chaussettes, mais quand même. Richard, I'm gonna give you a shot. Hang in there. Putain, la gueule du bras, quoi. Jill, here's my radio. Il veut donner sa... Je donne ma radio à tout le monde. Does it ever not hurt? Mec, bientôt tu vas le croiser dans la rue. Qui veut ma radio? Tu veux une radio? Si tu veux, j'ai une radio, gros. Normalement, il y a un zombie là, voilà. Ciao, bye bye.
Ah ouais, pas d'item, rien quoi, va te faire enculer, ok d'accord. Eh bien. Je sais pas si j'ai loupé quelque chose, même tant pis. Pourquoi j'ai pris ça? Mais pourquoi je l'ai pris, putain? Ouais, un soin en moins. Oh là là, quel connard! Je peux pas le reposer à sa place en plus. Ah, c'est con, hein, une place près, j'aurais pu prendre le joyau bleu, mais enfin la pierre bleue, mais à la limite, sur le retour, je vais faire le truc du. La pierre bleue, je sais plus ce que ça donne. On verra bien. On a bientôt fini le manoir, hein, donc... Allez, essaye de m'attraper, voilà. Oup là. La technique du blood. Bah heureusement qu'elle sait faire du piano, moi je vous le dis. Voilà. J'avais envie de jouer des notes comme ça. Tout à fait normal au milieu des zombies, tout va bien. Je sais plus ce que c'est ça, c'est pas un vieux petit carnet. Oui voilà, pas les couilles. Ok. Bon, je sens que je vais être obligé de le sécher ce zombie là. Mais non. Nickel. Ils ont inversé les filous.
Ok. Là, on va aller faire la pierre bleue. Je sais qu'il y a une des trois pierres, c'est pour le disque MO. Je compte faire les trois disques. Histoire de me rajouter un peu plus de difficulty. Mais c'est pas en réalité pour me rajouter de la difficulté, c'est juste que ouais, voilà, je veux la bonne fin quoi. Alors ça se trouve ça va être pour des cartouches de pompe, alors autant dire que j'en ai absolument rien à carrer si c'est pour ça. Que ça fera bien chier. Quoi ? Ok ! Et je l'ai posé où le pompe ? Juste comme ça, hein. Ah, tu peux pas savoir... Et avec deux coffres. Pourquoi tu mytho le jeu? Ah. Ah. Ok, il est ici. Je vais entendre réfléchir vite fait. 30 secondes. On est arrivé à une heure, faut que je fasse une sauvegarde. Par où je passe? Par là à l'étage. On va essayer un truc. Normalement, je devrais me séparer de la clé si tout se passe bien. On va tester un truc. Si je me fais choper ici, au pire des cas, j'ai une solution. Mais je me fais pas choper, donc ça va. J'ai des prises pour une raison. Pour une bonne et simple raison, c'est que normalement je devrais récupérer son shotgun à ce connard. Et du coup, le seul truc, c'est que je sais pas si... Avec ma technique, je vais pouvoir la récup. Si je peux pas la récup, c'est pas un problème. Je pourrais prendre sur le retour, là où je vais aller dans tous les cas. Je passe devant la salle du coffre. Donc, je suis full life, tout va bien. On va aller voir notre copain. Je vais m'arranger pour pas me faire toucher, évidemment. Si je me fais toucher, écoute. Hein. C'est le jeu, un pauvre Lucette. Je pourrais déposer le briquet au passage. Alors, est-ce qu'il y a un petit surplus de cartouches? Il n'y a pas de petit surplus de cartouches. Time.
Non! Putain, c'était pas prévu ça. C'était putain de pas prévu. Il est où son shotgun à ce gros là? Ok, bon, il n'y a pas son shotgun. C'est pas grave. Ça faisait 10 cartouches en plus, ça aurait été la bienvenue, malheureusement. Alors ça, c'était pas prévu. Putain, faut que j'y aille moi-même. Non. Putain, normalement je devais pas me faire poison là. Je vais peut-être être dans la merde là, concrètement. Ouais, comme ça, lui, je peux l'esquiver peinard. Ouais, ça fait chier, quoi. Voilà, ce que je voulais éviter. Putain d'enculé. Bon, du coup, je suis pas du tout au bon endroit. Ça fait chier. Le briquet, normalement, j'en aurais plus jamais l'utilité. Je dis bien normalement. Ça, je garde. Je vais aller récupérer le fusil à pompe. Bah, moi, je stocke pas. En fait, j'ai stocké juste le peupon. Parce que bah, j'avais plus de balles dedans. Parce qu'un peupon sans munitions, ça sert pas à grand chose. Donc je l'ai stocké là-bas, mais parce que je comptais repasser devant. Normalement, je devais pas me faire poison, tu vois. Cette cartouche était destinée. Non, enfin, cette grenade, normalement, était destinée à. Aux zombies que je vais croiser, là. Du coup, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'esquiver son attaque. En gros, là, je vais avoir deux zombies ici, précisément, à esquiver. J'ai stocké un soin au cas où. Et à mon avis, ça ne passera quasiment pas. Si, ça passe. Ça passe. Ça passe. Au pire des cas, j'ai un soin. Voilà. Et donc, en gros, je vais passer par la porte. Je vais faire un aller-retour à une porte, en fait.
En plus, ici, il y a un soin de stocker. Donc là, je vais pouvoir prendre le fusil. Prendre le soin, je pense pas que c'est une grosse utilité pour le moment. Là, je vais me faire le boss au peupon. J'espère que ça va passer. Est-ce que je prends le soin? Je vais le laisser ici. Remarque, il est pas perdu. Ok, bon, moi je... Oh putain! Eh oui, je devais sauvegarder. Je passe 5000 fois par la porte. C'est pas une bonne chose, mais enfin. J'ai pas l'impression que la poignée soit cassée avec elle. Faut que je sauvegarde et que je fasse une cut. J'ai oublié. Complètement zappé. Mais est-ce que je vais avoir du ruban encreur? Ah, les PD! Bon. Eh ben, je fais la cut ici. J'espère que je vais pas crever jusqu'au prochain point de sauvegarde. Voilà. Donc, bah, pour ceux qui regardent les rediffs sur YouTube, à tout de suite. Et merde!